Salut, c'était Gastu. Voici mon tour du Norwegian Joy derrière moi. Mais on commence, on va aller tout en bas au deck 5. Et nous sommes au niveau 5, le plus bas pont qui est accessible à tout le monde. Nous sommes devant la Splash Academy, le club pour enfants. Oui, parce que les enfants, on les met en soute, on les met en cale, comme ça on n'entend plus parler. C'est la seule chose qu'il y a ici au niveau 5. Il y a aussi quelques chambres de l'autre côté, mais qui ne sont pas accessibles. Voilà, ça c'est pour le niveau 5, la Splash Academy, le club pour enfants. Ici, pour laisser vos kids loin de tout le monde en soute. Et nous sommes maintenant au niveau 6. Ici, il n'y a pas de cabine, il y a uniquement des services. On va aller voir tout de suite derrière moi la maquette du Joy, on attend que les gens partent. Mais nous sommes ici, à l'endroit où il y a deux des trois main dining rooms. Vous avez ici Savo, qui est l'une des main dining rooms. Les trois main dining rooms ont le même menu. C'est juste trois endroits différents. L'autre est de l'autre côté, juste de l'autre côté du bar. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'à... Oui, ça tourne. Et donc ici, vous avez Taste. Donc savoir ou Taste, selon que vous voulez aller à bâbord ou à tribord. Les deux sont très bien. Elles sont un peu plus intimistes que la main dining room que nous allons voir tout à l'heure. Et ça, c'est au deck 6 à l'arrière. Au deck 6 à l'arrière, vous avez également ce petit lounge. Vous avez toutes les plaques où le Norwegian Joy est passé dans son existence. Donc là, par exemple, Seattle... Seattle again, Hiroshima, oui, parce qu'avant ce bateau était destiné à l'Asie. C'est pourquoi, comme vous voyez sur cette maquette, c'est très chinois, une fleur de lotus. Le design de la coque a été fait pour sa première destination. De 2017 à 2019, il était basé à Shanghai. Et après, il est venu aux États-Unis. Il a eu un premier dry dock en 2019. Et là, il vient d'avoir un nouveau dry dock. C'est pour ça que nous sommes sur la croisière transatlantique entre Miami et Southampton. Et nous sommes de retour au bar entre les deux main dining rooms pour vous présenter la suite du couloir. C'est le couloir de la galerie d'art. Où, comme vous pouvez le voir, vous avez des tableaux qui sont disposés. Ils changent souvent les tableaux. Il y a des options, donc il y a des ventes aux enchères d'art. Bah, c'est très amusant à voir. Mais si vous voulez vraiment faire une affaire, n'achetez pas sur le bateau. Mais c'est très amusant à voir les enchères qui ont lieu plusieurs fois pendant la croisière, où vous voyez des gens qui achètent des œuvres d'art. Ça peut être des copies numérotées, ça peut être des vrais tableaux. Ils vendent beaucoup de Peter Marx. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il y a beaucoup de Peter Marx, qui est apparemment un artiste très connu aux États-Unis. Ils avaient du Thomas Kincaid, mais c'était des prints de Thomas Kincaid. Et j'avais déjà acheté des puzzles de Thomas Kincaid. Et ils ont plein d'autres artistes. Si vous voulez aller voir les ventes aux enchères, ce qui est très bien, c'est que pendant les ventes aux enchères, et vous avez du champagne gratuit. Pas du champagne, juste de bubble, mais c'est pas mal pour avoir ça. Et on va continuer dans le couloir. On arrive à la fin de cette galerie d'art et nous arrivons à aller dans l'atrium, pas l'atrium, mais un des salons. Et nous allons commencer ici par le Malting Whiskey Bar. Nous sommes donc dans le Malting Whiskey Bar, qui est, comme vous le savez, comme vous pouvez le lire, un bar à whisky. Il est fermé actuellement, mais il y a quand même des activités, comme par exemple à 9h30 du matin, tous les matins, il y a les fans de tricot qui se retrouvent ici. Il y a aussi les vétérans qui se retrouvent à 2 p.m. et le LGBTQ Meetup qui est à 6h30, à 18h30 ici. Donc il se passe toujours quelque chose. Et si vous voulez des cocktails avec whisky, c'est ici au Malting Bar. Et juste en face du Malting, nous avons le restaurant japonais, le Teppanyaki. Le restaurant Teppanyaki, vous avez un chef qui va vous dire ici, se mettre là pour cuisiner devant vous. Vous avez du riz, des crevettes, du poulet, des steaks. Vous avez beaucoup de choix de différentes viandes ou produits de la mer. Et tout ça sera cuisiné devant vous à votre table quand vous essayerez sur votre siège. Donc ici, si vous voulez un truc romantique, désolé, il n'y a rien pour deux. Il faut partager votre table. Et donc vous partagez la table avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Ouais. Table 10 personnes, mais c'est aussi le moyen de faire des amis. Ou alors, si vous ne faites pas d'amis, vous pouvez, quand vous êtes à deux, vous pouvez rester entre vous et laisser les autres de causer. Mais c'est bien de faire des amis. Donc voilà, ça c'est le restaurant Teppanyaki, qui est un restaurant avec supplément. Si vous avez le Free Atsi, vous avez normalement deux crédits. Donc vous pouvez choisir parmi tous les restaurants avec supplément quels deux restaurants vous voulez faire. Sinon, il faudra payer, je crois, c'est $59 par personne. Et on continue, on va aller en face, voir ce qui se passe. Nous avons déjà vu le Malting, mais ici, nous avons le Social Comedy and Nightclub, Dance, Loaf, Be Social. Donc ici, à l'intérieur, nous avons ici la boîte de nuit et également le Comedy Club. C'est les deux selon l'heure du jour ou de la nuit. La nuit, c'est un nightclub. Le soir, vous avez des comédiens qui viennent faire des spectacles. Donc vous avez deux spectacles. Un spectacle tout public
Et pas après, vous avez le deuxième spectacle qui est interdit aux moins de 18 ans parce que l'humour est un peu plus grivois. Après, j'ai vu les deux. Non, j'ai pas vu le familial, mais même celui de moins 18, il n'y a rien de vraiment choquant. Mais c'est juste, il y a un avertissement. Faut bien sûr bien comprendre l'anglais parce que les comédiens sont anglais. Également, si jamais vous êtes intéressé par la galerie d'art de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les ventes aux enchères se passent ici. Bien sûr, là où je suis, là, c'est en mode dance floor parce qu'il y a la boîte de nuit qui ferme à 2 h du matin. Mais le reste, quand il y a un spectacle ou quand il y a une vente aux enchères, ils mettent des sièges ici pour que vous puissiez vous asseoir, que tout le monde ne soit pas debout. Vous avez le célèbre tabouret du stand-upper qui peut être comme ça. Alors, moi, je connais un mec, il est parti en croisière. C'était le Titanic, vous savez. C'est pas pour moi être humoriste. Mais voilà, c'est le Comedy Club. Le Social Comedy Club, il est ouvert quasiment tous les soirs pour la boîte de nuit et un soir sur deux, je dirais, pendant la croisière pour les comédiens. N'hésitez pas à venir les voir. Nous sommes maintenant toujours au niveau 6, dans la grande partie, la pièce centrale, l'atrium. On a actuellement un survey qui est en cours juste ici, donc on ne va pas déranger, où ils sont en train de donner les réponses des questions. Vous avez également, là je suis sur le comptoir des excursions, vous avez Guest Service qui est par là-bas, derrière moi. C'est Cruise Next. Donc, si vous voulez acheter votre prochaine croisière ou juste un coupon pour une prochaine croisière, vous pouvez aller ici. Et en plus, ça vous donne du crédit à bord. Vous avez plein d'avantages. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais bon, je ne fais que répéter ce qu'ils nous disent à la télé. Donc, ici, c'est vous avez Guest Relation pour vous plaindre ou pour avoir donné des renseignements. Et vous avez également Internet. Si vous avez des problèmes d'Internet, c'est de l'autre côté. Vous avez un bar. Il y a des animations toute la journée ici, tout le long, des trivia, des Q&A, des jeux. Donc, juste ici derrière. C'est l'atrium niveau 6. Juste derrière l'atrium, toujours niveau 6, vous avez la card room et library. Donc vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez lire des livres. Il y a des jeux de société. C'est silencieux, pas de nourriture intérieure. On ne va pas rentrer. Quoique, ah, il y a juste quelqu'un qui travaille. On va jeter un petit coup d'œil très rapide. Mais chut, faut pas faire de bruit. Regardez. Nous nous retrouvons ici, aux côtés des escaliers du niveau 6 avant, au Q. Q, c'est. Le steakhouse, non, c'est pas le steakhouse, c'est un restaurant Tex-Mex avec supplément. Donc, soit vous avez des crédits que vous pouvez utiliser, soit vous payez à la carte. C'était aussi ici où il y a des fois des animations, des trivia. Et de temps en temps, ils vont transférer la boîte de nuit ici. Moi, je préfère ici parce que c'est plus grand qu'au social. Mais pendant notre cruise, on a eu un soir où je crois qu'il y avait des problèmes techniques au social. Donc, ils ont mis la boîte de nuit ici. J'aime bien parce que c'est grand. Il y a une scène aussi. Venez, on va voir à l'intérieur. Donc, quand vous voyez une grande scène, il y a un groupe de country qui joue ici quand vous dînez. Et donc, comme je vous disais, il y a aussi des trivia, des animations qui se passent ici. De temps en temps, ils l'utilisent en boîte de nuit au lieu du social. Moi, j'aime bien parce que la piste de danse est beaucoup plus grande. Il y a de la place. C'est grand. Il y a des escaliers. Voilà. Donc, c'est le Q qui est situé pont 6 à l'avant. Et on continue notre tour du bateau. Maintenant, on a fini pour le niveau 6. On va aller au niveau 7. Nous sommes au pont 7 avant, au théâtre, le Jolly Theatre. On ne va pas rester longtemps parce qu'il y a une présentation par le capitaine, le chef ingénieur et tout ça, qui vont faire une présentation de comment se passe sur un bateau de croisière, comment ça fonctionne. Ici, vous avez tous les soirs un show. Vous avez le show principal Elements qui a lieu une ou deux fois pendant la croisière. Vous avez également de la magie, vous avez des chanteurs, vous avez les Beatles qui performent aussi quelquefois. Voilà, donc c'est le théâtre situé au pont 7 avant. Nous sommes maintenant toujours au niveau 7, au niveau du centre. On est juste au-dessus de l'atrium. On est au Local Bar and Grill, qui est le restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24. Enfin, 24 heures sur 24, il ne faut pas avoir faim entre 4 heures et 5 heures, parce que c'est le moment où il switch entre dîner et petit déjeuner, ni entre 11h30 et 12h30, parce qu'il switch entre petit déjeuner et le menu du jour. Donc ici, vous pouvez avoir soit un site ici, qui n'est pas trop mal parce que vous pouvez voir, vous avez une vue sur toutes les activités de l'atrium. Donc ça vous permet d'avoir une place en haut. Ils sont actuellement en train de faire de l'origami. Comme je vous ai dit, il y a des activités toute la journée. Moi, j'aime bien manger ici. Comme ça, je peux voir ce qui se passe en bas, tout en mangeant. Si vous préférez avoir un siège, il y a bien sûr des vraies tables. Mais donc voilà, c'est le Local Bar and Grill situé au niveau 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, on continue notre tour du niveau 7 avec le casino. On ne va pas rester très longtemps, mais vous avez toutes les machines à sous qui sont ouvertes seulement en mer. Donc si vous avez des port-day, il faudra attendre le soir que le bateau appareille. Et sinon, c'est ouvert ici, vous pouvez jouer. Vous avez des tables de blackjack, des tables de poker, il y a des loteries, il y a beaucoup de choses. Donc si vous voulez dépenser votre argent au casino, c'est au niveau 7 et il est assez grand, il y a beaucoup de choses à faire. Et vous avez bien sûr, au bout du casino, là, vous avez la zone fumeur derrière les barrières. Si vous voulez fumer,
Et vous avez un bar si vous voulez jouer aux machines à choux pendant que vous buvez. Ou vous pouvez juste boire en même temps. Okay, nous sommes ici tout au bout, à l'arrière du pont numéro 7. Nous sommes sur la troisième main dining room, la plus grande. Donc les main dining rooms, c'est là où vous pouvez avoir le service à table qui est inclus dans le prix de votre croisière. C'est The Manhattan Room. Elle est ouverte que le soir. Les deux autres sont ouvertes petit déjeuner et déjeuner. Celle-là n'est ouverte que le soir à partir de 17h. Les autres ouvrent à 17h30. Donc si vous voulez avoir un dîner très tôt à 17h, c'est ce qu'on fait. C'est très bizarre. Mais vous venez ici à la Manhattan Room. Nous sommes à l'intérieur de la Manhattan Room, la plus grande des trois main dining rooms. Vous n'avez pas, avec Norwegian, vous n'avez pas une main dining room attribuée. Donc vous pouvez aller aux trois. Vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Et en plus, il n'y a pas d'heure de dîner. Donc vous pouvez venir entre 7h et 9h30 ou 9h. Pour le dîner, vous choisissez là où vous voulez aller. S'il y a de la place, on vous assoit. S'il n'y a pas de place, il faudra attendre un peu. Je crois que quand la croisière est complète, il y a un système de réservation. Ici, la croisière n'est pas complète. Donc, on a toujours une autre table. On a même notre table réservée qui est en fait de l'autre côté, tout au bout, à côté de la fenêtre. Ce que vous voyez en haut, ici, ce sont les restaurants. Je ne sais pas si on les voit à la caméra sur l'angle. Ce sont les restaurants avec spécialité suivante. Ce n'est pas le reste de la dining room. Mais voilà, c'était la Manhattan Room. Et on continue, nous allons monter au niveau 8. J'avais oublié également au niveau 7, vous avez l'allée des gilets de sauvetage. Et vous avez tous les cadeaux de sauvetage, un pont. Vous avez des endroits où vous pouvez un peu mieux la mer, mais voilà, c'est le pont des bateaux de sauvetage. Si jamais le bateau coule, ça sera ici au pont 7 aussi qu'il faudra se rendre. Nous nous retrouvons au niveau 8, juste au-dessus de la Manhattan Room. Nous avons l'entrée de Cagny et le Bistrot. Ce sont deux autres restaurants avec supplément. Cagny, c'est le steakhouse, donc si vous voulez des steaks qui paraît sont très bons, je n'aime pas les steaks, je ne suis pas allé. Et le bistrot, c'est si vous voulez rester français. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est bien évidemment, nous sommes dans un bateau, mais c'était l'un des meilleurs repas que j'ai eu dans le bateau. C'est j'ai utilisé un de mes deux crédits ici. Venez, on va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Voilà, quand vous rentrez, vous avez déjà The A-List Bar, un petit bar qui s'est parlé de restaurant. Ici, on ne va pas faire trop de bruit, mais le bistrot, le restaurant français, ici, est l'endroit où les gens le matin jouent aux cartes ou jouent aux jeux de société. Ils en amènent ici pour que la library ne soit pas trop occupée. Donc les gens jouent ici, côté le bistrot. Et de l'autre côté, bon, déjà ici nous allons voir la Manhattan Room vue de haut. Et la suite de ce côté, Cagny. Donc le steakhouse, vous avez une cuisine ouverte. Et vous avez les tables de Cagny qui sont juste là. Nous avons juste derrière moi le couloir des boutiques qui est situé au pont 8. On va passer très vite parce que j'aime pas ce couloir. C'est, ils cherchent à vous vendre absolument tout et n'importe quoi. Ils ont des marques de luxe, ils ont des Rolex. Je crois pas qu'ils aient Rolex, mais ils ont Tissot, Invictus et plein d'autres marques, des marques de bijoux. Si vous voulez acheter c'est ici, j'aime pas trop parce qu'en fait, dès que vous essayez de regarder quelque chose, ils vous grabent et ils essayent de savoir ce que vous voulez et de vous vendre. Vous avez aussi un magasin de souvenirs et le magasin pour retirer vos photos. Donc tout est dans ce couloir. Et on se retrouve de l'autre côté des couloirs une fois qu'on aura passé les boutiques. Et maintenant, nous nous retrouvons à Sugarcane Mojito Bar, le bar de Mojito. Il y a ici de la musique live également. Vous avez le bar, vous avez plein de types de Mojito. C'est animé jusqu'à tard, ça fait du bruit. Ça danse un peu, mais pas trop parce qu'il n'y a pas trop de place. Mais si vous voulez un Mojito, c'est the place to be. C'est ici le Sugarcane. Avant de continuer le tour au niveau 8 qui est juste ici en haut, je crois que je ne vous ai pas montré le lustre. J'adore ce lustre. Comme ça, est-ce qu'on vous voit? Voilà ce lustre qui est sur 3 niveaux, 8, 7, 6. 6 en bas, c'était là où il y avait le social club. 8, 7, il y a le casino. Et 8, il y a Sugarcane et la caverne où on va aller maintenant. Franchement, j'adore cet atrium, c'est sur 3 niveaux, ce lustre. Venez, on retourne en haut. Donc ici, on est toujours niveau 8. Nous sommes à la caverne. Vous savez ce club où ont débuté les Beatles? Vous saviez que c'était sur un bateau qui sont débutés les Beatles? À la caverne Liverpool, qui était en fait à Liverpool. Nous allons rentrer à l'intérieur. Donc comme son nom l'indique, la caverne, le club, c'est là où vous pouvez retrouver les Beatles. Bon, ils n'y sont pas souvent en fait. Ils sont plus souvent au théâtre qu'ici. Mais vous allez voir à l'intérieur. Nous sommes donc à l'intérieur de Cavern Bar. Du Cavern Club, là où ont débuté les Beatles. D'ailleurs, vous voyez la scène derrière moi ici. Donc les Beatles se produisent ici de temps en temps. Vous avez également un pianiste, une pianiste qui vient. Il y a souvent des animations. Il y a le karaoké le soir. Si vous aimez le karaoké, c'est ici. Si vous aimez comme moi faire du sport le matin, enfin non, j'aime pas, mais ça me permet de faire ma daily routine. C'est aussi ici que j'ai tous les matins la morning stretch and abs class, qui se situe ici. Donc il se passe toujours des choses.
Là, il est 10h30 du matin, il ne se passe rien. Mais voilà, pour la journée, vous avez des classes et il se peut qu'il y ait aussi des conférences. Et le soir, c'est un bar, il y a toujours de la musique, du karaoké, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et nous continuons dans ce couloir du niveau 8. Ici, nous sommes à l'endroit d'un restaurant de spécialité. Vous êtes sur le comptoir de la Cucina, qui est le restaurant mexicain. Ici, le alias lui du futur. Je me suis trompé, c'est un restaurant italien, pas un restaurant mexicain. Juste derrière moi, vous avez le cellar, qui est le bar à vin. Vous avez plein de variétés de vins. Ils font des wine testing. J'ai fait un wine and cheese testing. Il n'y a pas beaucoup de vins français, mais les vins sont quand même très bons et la sommelière était parfaite. Et un peu plus derrière, par ici, là-bas, on voit où les gens regardent le menu. C'est Ocean Blue, le restaurant de poissons. Donc ici, c'est le coin de restaurant à spécialité. Si vous avez des points ou si jamais vous voulez changer de la main dining room et que vous avez envie de vous payer un autre repas, vous avez ce coin-là, au niveau 8. Ah non, le niveau 8 n'est pas fini. On a encore deux choses à voir, qui est le bar à bière du bateau. Comme vous voyez, il y a un bar. Il y a beaucoup de choix. J'espère qu'on va voir. Mais oui, regardez tous ces choix de bière qui sont disponibles. Vous avez tout ça. Vous avez aussi des bars en bouteille. C'est au pont 8, tout à l'avant. Et vous avez aussi des tapas. Par contre, les tapas ne sont pas inclus. Voilà, donc la Breos, c'est pareil. Là, c'est le matin, donc c'est pas encore ouvert. Mais c'est un endroit assez populaire. Et en plus, on voit magnifique vue sur l'océan parce que vous êtes au niveau de la mer, au niveau du pont 8. Et on va aller voir en face l'équivalent. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, au même niveau, au niveau 8. Et nous nous trouvons au pont 8, côté starboard. Donc starboard, c'est bâbord, si je ne me trompe pas. À Food Republic, qui est un restaurant cuisine du monde. Vous avez de la cuisine japonaise, de la cuisine mexicaine, du tout mixé. Vous commandez via les tablettes qui sont là. C'est également un restaurant avec supplément. Si vous avez le dining package, si vous utilisez un crédit, vous pouvez avoir 4 items dans la carte. Mais apparemment, 4 items, c'est assez pour deux. Donc certains, ils ont le plan. Ils prennent un crédit pour deux. Et comme ça leur permet d'avoir un deuxième crédit pour revenir une deuxième fois. Donc ici, Food Republic, pont 8 avant. Notez, si vous mangez sur l'un des restos de spécialité du pont numéro 8, eh ben vous pouvez manger à l'extérieur si le temps le permet. Par exemple, ici, le bistrot, vous avez des tables du bistrot. Si jamais vous voulez manger un restaurant avec vue mer. Donc là, on est au milieu de l'océan Atlantique. Enfin, on se rapproche de la Floride. On a commencé notre croisière il y a un peu plus de 10 jours. Et on a traversé l'Atlantique. Et là, on arrive demain à Miami après 10 jours non-stop. Ce n'est pas des croisières que fait le Norwegian Joe d'habitude. Eux, il faut les croisières de 7 jours, 4 jours, 3 jours. Là, c'était vraiment exceptionnel parce que le bateau est allé en dry dock, en cale sèche pendant 3 semaines en Europe. Et là, il revient aux États-Unis. Vous avez la plus belle vue, mais vraiment la plus belle vue sur l'arrière du bateau. Vous le voyez partir. Si vous n'avez pas le vertige, ici vous avez les transparents. Vous pouvez marcher dessus. Et voilà, l'océan infini. On est encore. Ah, là-bas on voit un bateau. Je pense pas qu'on le voit. Mais là-bas on voit un bateau. J'ai essayé de zoomer. Non, peut-être que vous le voyez tout au bout, mais il y a un bateau. Voilà. Nous sommes maintenant dans l'ascenseur. Il ne se passe rien entre les niveaux 9 et 13 parce qu'il n'y a que des chambres. Nous allons visiter ma chambre d'ici quelques minutes. Mais avant de visiter, on va continuer au niveau 13. Oh voilà. Déjà, c'est bizarre, il y a un niveau 13 sur un bateau de croisière. Et nous sommes donc au niveau 13. Parce que comme je vous l'ai dit, du niveau 9 à 13, il ne se passe pas grand-chose, il y a des chambres. Et au niveau 13, il y a le Medical Center. Donc si jamais vous avez un accident, si jamais vous avez besoin, il y a le médecin de garde qui est là, vous avez des infirmières qui sont là. Attention, ce n'est pas gratuit. Voilà, c'est le reste du niveau 13, c'est des chambres. Maintenant, nous allons continuer et monter au niveau 15 pour la suite de la visite. Donc niveau 15, nous avons l'Observation Lounge, qui est le bar lounge ouvert quasiment toute la journée. Et venez, on va regarder. Chut, il y a du monde, donc faut faire pas beaucoup de bruit. Voilà le lounge. Il y a vue sur l'océan. Là devant, nous avons un petit buffet qui est ouvert l'après-midi entre 14h30 et 17h30. C'est un buffet froid. Mais par contre, toute la journée, vous pouvez avoir du thé, de l'eau. Et vous avez bien sûr un bar complet pour ceux qui veulent plus que de l'eau. Comme vous voyez, il est très grand. Je vais continuer tout droit. C'est là où il y a la meilleure vue. La transatlantique était très occupée, bah, forcément. 11 jours en mer. Les gens viennent ici pour discuter, pour s'amuser entre amis, juste pour s'amuser seul. Il y a aussi des très beaux fauteuils qu'on va voir.
Nous avons le bar qui est ici. Et devant, bien sûr, voici la raison du nom, l'Observation Lounge. Vous êtes tout devant du bateau, juste au-dessus de la passerelle, donc juste en dessous de nous, il y a le capitaine. Et avec vue panoramique sur l'océan. Et juste en haut, là, ici, vous avez le buffet auquel nous allons aller dans quelques instants. En tant qu'on retourne vers l'escalier pour le niveau 16, un petit fun fact dans le couloir. Vous voyez, il y a des poissons ici. Ça vous indique la direction. Si vous ne savez pas où est l'avant ou où est l'arrière, bah vous suivez le courant, vous suivez les poissons et vous irez vers l'avant. C'est un petit fun fact dans les bateaux de Norvégienne. Vous vous êtes perdu dans le bateau, regardez la moquette et vous saurez où est l'avant. Nous nous trouvons donc au niveau 15 au Garden Café, qui est le buffet du bateau par ici. Mais comme vous voyez, il est fermé. Ça ne réouvrira qu'à 12h30 pour le lunch. On ira faire un tour tout à l'heure. Bon, au final, j'ai oublié de venir à temps et là, il est trop tard vu qu'il est 21h45 et le buffet ferme à 21h30, donc ils ont déjà tout débarrassé. Mais ici, donc, vous avez des buffets principaux, vous avez plusieurs îlots. Certains se répètent, d'autres sont inédits. Et vous avez le sitting qui est tout autour et vous avez, je ne pense pas qu'on puisse voir, mais là-bas, par exemple, vous avez vu sur la mer, mais il fait noir. Et vous pouvez aller tout devant où on voit le haut de l'Observation Desk. Et voici le tour de ma chambre, la tour de ma cabine, c'est la cabine 10756. Comme vous voyez ici, vous avez pour le cabin attendant, le cabin steward, celui qui fera votre chambre, plusieurs interactions comme faire votre chambre, ne pas perturber et at home. Et je vais vous montrer à l'intérieur tout de suite comment les activer. So, donc si vous voulez qu'on vous fasse votre chambre, vous appuyez ici. Si vous voulez qu'on ne vous disturbe pas, vous appuyez ici. Et à home, c'est juste qu'il faut mettre votre carte là-bas. Voici la chambre elle-même. Donc le balcon, c'est un balcon standard. Vous avez un lit de place. Si jamais vous voyagez avec un ami et vous ne voulez pas partager le lit, ils peuvent séparer le lit en deux. Le lit, en fait, c'est deux lits côte à côte. Ils peuvent le séparer. Et dans ce cas, ça permettra à chacun d'avoir son lit. Le canapé. Ici, donc. Donc, ce canapé vous permettra d'avoir un nouveau couchage supplémentaire. Bon, il y a un fil USB qui traîne. Et ici, c'est le balcon. Bon, c'est la nuit, on va pas voir grand chose. Oula, il y a le vent qu'il y a. Mais voilà le balcon. Oh. Oh. On ferme. En face du canapé, vous avez ce bureau. Donc ce bureau est un très grand miroir. Comme vous pouvez le voir, je peux faire coucou. On va faire comme ça. Donc ce miroir est très grand et vous permet de vous voir. Mais vous avez d'autres miroirs dans la chambre. On va continuer, vous avez également la télé, donc moi elle est toujours sur le parcours du Norwegian Joy. Comme vous voyez, on est quasiment arrivé à Miami après 11 jours de traversée. Ici, vous avez la penderie avec un coffre-fort, différentes étagères, de quoi ranger. Et bien sûr, un autre miroir ici, ce petit miroir qui vous permettra de vous regarder, de vous coiffer, parce que là, le vent, il m'a décoiffé. Et voici la salle de bain. Donc la salle de bain, pour moi, je trouve assez grande pour un bateau de croisière. Vous avez un évier, des étagères pour poser vos matériels, ici, des toilettes, et la cabine de douche. La cabine de douche qui est ici, classique, rien de spécial. Et vous avez donc dans la cabine de douche, du gel douche et du shampoing. Il n'y a pas de body lotion, si jamais c'est ça qui vous intéresse. La body lotion, bah, il faudra prendre la vôtre parce qu'ils n'en fournissent pas. J'ai demandé, ils n'en ont pas. Et nous nous trouvons maintenant sur le pont 16, le pont de la piscine. Donc vous avez le buffet qui est d'un côté et la piscine qui est de l'autre. Donc ici vous avez la première piscine, la piscine principale. Pour les adultes seulement, cette piscine est réservée aux adultes parce qu'elle fait 2 mètres de profondeur. Donc vous n'avez pas pied, il faut savoir nager. Vous avez là-bas les toboggans, qu'on va aller voir d'un peu plus près, la piscine pour enfants. Ici, nous avons les deux jacuzzi, ici et là, les deux jacuzzi pour adultes et pour enfants. Les enfants ont le droit de venir dans ces jacuzzi, donc des fois ça peut être blindé. Comme tout à l'heure, il y avait une quinzaine d'enfants qui rentrent, normalement c'est 6 par personne. Juste à côté, ici vous avez la kid pool, qui est surveillé par la Lifeguard, et le Kid Park, je ne sais pas si on va le voir,
Je ne veux pas tomber, mais vous avez le kid park derrière moi et le, bien sûr le toboggan qu'on va aller voir tout de suite. Mais pour l'instant, on continue le deck 16 et on va continuer pour aller jusqu'au spa. On va au spa. Nous sommes ici à l'arrière du pont 16, donc de l'autre côté de la piscine et du buffet. Nous avons le Mandara Spa et Salon. Donc vous avez salon de coiffure, différents soins de spa. Vous avez également la Thermal Suite qui vient d'ouvrir. Elle a ouvert aujourd'hui, c'est pour vous dire. Aujourd'hui, elle était en soft opening, en pré-opening. Et c'était gratuit pour nous. Sinon, c'était, je crois, $50 la journée à partir de demain. C'est une suite où vous avez différents sièges pour vous relaxer face à l'océan. Vous avez également des jacuzzi et différentes choses. Vous avez des sièges chauffants pour vous relaxer face à l'océan. Des jacuzzi, des saunas, un hammam, une salle de sel, une piscine d'eau froide, etc. Donc tout est là dans la Thermal Suite qui est dans le spa, le Mandara Spa. Et on va continuer, on va faire un petit tour. Je ne sais pas si la caméra va me suivre. Et au milieu de ce pont 16 arrière, vous avez l'arcade vidéo qui est ici au fond, qu'on peut voir, percevoir. J'espère, je ne sais pas si on voit, mais cette arcade vidéo pour jouer aux jeux vidéo. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a aussi un lounge pour les teens qui est au fond, mais on ne va pas aller le voir non plus. Et maintenant, nous allons passer au pont 17, au dernier pont, grand pont accessible, parce qu'après, il y a des demi-ponts. Mais allons tout de suite au pont 17. Et nous sommes ici au Pulse, le fitness center qui est ouvert tous les matins dès 6h du matin et le soir jusqu'à 22h. Donc là, il est 22h, il va bientôt fermer. Mais il est encore ouvert pour l'instant. Vous avez plein de tapis, des machines, des TRX derrière. On va pas tout visiter parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire un workout. Mais vous avez aussi des classes. Gratuitement, vous avez le stretching du matin et de l'après-midi à 10, qui est à 7h du matin et à 17h. C'est la classe que j'ai fait toute la semaine. Et ça permet de faire un peu de stretching, un peu d'abs le matin. Et après, vous avez des classes payantes du body, je sais pas quoi, des TRX, enfin vous avez plein de classes qui sont proposées tout au long de la journée, qui sont $20 la classe, où vous avez un pass pour la croisière qui est à $150, je sais plus, vous avez différents avantages. Mais voilà, donc ici, la salle de sport qui est assez grande, moi j'aime bien. Et on va aller juste en face, un endroit où il ne faut pas aller après le sport. Et voilà, opposé à la salle de sport, vous avez l'American Diner, donc comme je disais, c'est pas vraiment l'endroit où il faut aller. Après le sport, ou en tout cas ça vous peut permettre de peut-être décupapiliser, il n'était pas ouvert pendant notre crossing parce qu'il est à moitié en extérieur. En fait, on est couvert, on est protégé, mais il y a quand même tout le vent qui vient. Ça ouvre à partir de demain, à partir des croisières qui vont à Miami. Nous, malheureusement, on ne sera pas là demain. Mais voilà, l'American Diner. Et maintenant, on va aller à un endroit interdit aux moins de 18 ans, toujours sur le pont 16 à l'arrière. Et nous sommes ici tout à l'arrière du bateau. Alors ici on peut pas voir la mer parce qu'il fait nuit, mais vous avez le Spice H2O qui est le jacuzzi, un énorme jacuzzi qui peut accueillir 35 personnes, réservé aux adultes de plus de 18 ans. Donc c'est pas mal si vous voulez échapper aux enfants. Vous avez un bar qui est ici au fond, et ici je pense pas qu'on va voir, il y a beaucoup de vent. Je vais vous montrer, on va tourner un peu la caméra. Vous avez un écran qui sert à rien. Voici l'extérieur du pont 17. Vous êtes, vous surplombez la piscine. Vous avez derrière moi un des toboggans, le toboggan le plus scary, c'est celui qui tombe. Vous avez une trappe et ça tombe. Vous avez ici la piste de jogging. Elle fait 200 mètres, donc vous pouvez faire des tours et des tours. En face, vous avez l'entrée de l'autre toboggan. Vous avez aussi l'accès un peu plus loin à la piste de kart, mais c'est fermé, je crois. On va aller voir. Et de l'autre côté, c'est par là où on va aller. On va continuer ce petit tour. Ça va aller par là. Et par là, on va continuer. On va arriver à l'entrée de l'Even. Ici en haut, ce que vous pouvez voir, c'est le deck privé de l'Even. C'est leur restaurant extérieur l'été. The Even, accès sur clé uniquement. Voilà, c'est la zone privée de l'hôtel. Si vous avez une suite, vous pouvez résider ici et vous êtes coupé du monde. C'est un bateau dans le bateau. Si je ne me trompe pas, maintenant, nous sommes sur le pont 19 avant. C'est l'entrée juste ici. Suivez-moi. Le Vibe Beach Club. Bon, on est un peu loin là. Mais c'était une partie où vous avez des jacuzzi, un sun deck réservé aux gens qui achètent un pass. Donc, c'est pas réservé à une catégorie de chambre, c'est réservé à tout le monde, mais il faut payer. C'est un endroit, si vous en avez marre des enfants sur le pont principal ou qu'il y a trop de monde au Spice H2O réservé aux adultes, vous pouvez payer un pass et vous avez cette aire qui est dédiée.
Nous sommes de retour au niveau 17 et juste au-dessus de moi se trouve la Norwegian Joy Speedway. C'est un circuit de cartes électriques. C'est en supplément, ça coûte 16$ et vous pouvez, c'est 16$ pour 8 minutes, donc 2$ la minute. Mais c'est une grande expérience à faire, c'est super sympa. Les cartes sont électriques, ils sont contrôlés à distance, c'est-à-dire que s'ils veulent vous stopper ou vous ralentir ou vous brider, ils peuvent. Ça m'est arrivé d'en prendre le tour. Dès que quelqu'un fait un bump, hop, ils brident et ils arrêtent et ils vont voir ce qui se passe. Et après, même la full speed, c'est pas non plus très rapide, mais c'est super sympa à faire. Je vous invite franchement à aller à la Norwegian Joy Speedway si jamais vous venez sur ce bateau ou sur un autre bateau de Norwegian. Et je suis de retour au pool deck pour vous souhaiter une très bonne journée. C'est la fin de ce tour. C'était Alias Lu. Bye.